Il y a quelques jours, j'étais sur le stream de Ponce, et à un moment, il a voulu rajouter l'heure sur son stream, parce qu'il y a quelques viewers qui lui ont demandé. Sauf qu'il s'est mis à chercher des vidéos, et il en a pas vraiment trouvé, ou en tout cas, pas qu'ils l'ont satisfait. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour essayer d'expliquer le plus simplement possible comment ajouter l'heure sur votre stream. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepa, et pour ceux qui découvrent encore la chaîne, j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit avec des tutos, des reviews de produits, ou des conseils plus généraux, donc... Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne loupe jamais, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne, Hound, et plus particulièrement, leur plugin OBS Hound Pro qui vous permet d'installer en un clic des centaines d'overlays d'alertes sur votre OBS Studio, et même en français maintenant. Et ça, c'est cool, parce qu'avoir des overlays en français, ça fait tout de suite quand même plus professionnel. Donc si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci, et bonne vidéo. Alors je vous le dis tout de suite, afficher l'heure sur votre stream, c'est quelque chose de simple, donc ça va aller assez vite, mais je vous ai préparé deux méthodes pour le faire. La première méthode, c'est la plus basique, utilisée par quasiment tous les streamers, dont moi, et la deuxième, ça permet de le faire de façon plus originale. Vous pourrez par exemple afficher une horloge qui avancera en fonction de l'heure. Donc pour la première méthode, vous aurez besoin du logiciel SNAZ. Normalement, c'est un logiciel que la plupart d'entre vous doivent connaître. J'ai notamment fait une vidéo tuto dessus pour apprendre à mettre un timer sur le stream. Si vous êtes déjà familier avec ce logiciel, cette partie du tuto sera très très simple. Mais pour les autres, je vais quand même expliquer tout en détail. Vous cliquez sur le lien en description, vous arrivez juste ici, vous cliquez ensuite juste là, puis sur snazsetup.exe. Vous lancez ensuite le .exe, normalement vous avez une simple installation à faire, ce sera très rapide, et une fois que c'est fait, vous lancez le logiciel SNAZ et vous devriez arriver ici. Alors l'interface est un petit peu archaïque, ça je vous l'accorde, mais vous allez voir qu'en fait c'est super simple à comprendre et surtout à utiliser. C'est pour ça que c'est la méthode utilisée par la plupart des streamers. Donc nous aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est ce premier onglet, puisque c'est là qu'on va récupérer l'heure. Si jamais vous voulez rajouter un timer qui décompte sur votre stream, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai déjà faite avant, et vous verrez justement qu'on utilise le deuxième onglet. Avant d'ajouter l'heure sur votre stream, je vais vous expliquer rapidement comment marche le logiciel. En gros, SNAZ il va noter plein d'informations. L'heure, la date, le chronomètre, si vous en avez mis un, et toutes ces infos, il va les stocker dans des fichiers texte directement sur l'ordinateur. Vous pouvez notamment voir ici que l'heure de votre ordinateur sera stockée dans le fichier time.txt. Et je pense qu'il y en a certains qui ont déjà compris comment on va faire pour l'afficher sur OBS. Déjà, première chose, vous cliquez ici. Ça va être simplement copier tout ça et le mettre dans votre presse-papier. Vous allez sur OBS ou Streamlabs OBS, ça marche pareil. Vous faites une source texte, vous cochez bien la case lire à partir d'un fichier. Vous cliquez ensuite ici, vous faites CTRL-V. Et avant d'appuyer sur Entrée, vous allez supprimer cette partie. Vous êtes maintenant dans le dossier SNAZ et vous avez tous les fichiers qui eux-mêmes contiennent toutes les informations dont vous avez besoin. Nous, ce qu'on veut encore une fois, c'est l'heure, donc on clique sur time.txt et voilà, vous avez l'heure affichée sur votre stream. Alors c'est bien, mais il faut que je vous montre quelques petites choses pour que ce soit vraiment parfait. Déjà, vous voyez qu'actuellement, l'heure, il y a les secondes. Mais moi, j'ai pas vraiment envie d'avoir les secondes affichées. Dans ce cas-là, vous allez dans SNAZ et vous supprimez cette partie. Maintenant que le format vous convient, vous pouvez personnaliser cette heure. Pour ça, vous allez dans Personnaliser la police, vous cliquez ici et vous changez en mettant 256. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que de base, OBS vous permet pas de dépasser 72 en taille de police. Mais en fait, il suffit de changer le chiffre à la main et vous pouvez mettre n'importe lequel. Et 256, c'est largement suffisant pour avoir un texte de bonne qualité. Pour la police, ça c'est vous qui voyez, moi j'en mets une que je connais bien. Vous cliquez sur OK, et là, très important, vous allez décocher cette case. En fait, ça sert à lister votre texte, mais pour l'instant, on n'en veut pas, on va le faire plus tard. Pour le reste des options, je vous laisse faire, c'est de la personnalisation basique. Une fois que vous avez tout fini, vous cliquez sur OK, et c'est bon, vous avez votre heure affichée sur votre stream. Dernière petite chose, vous faites clic droit sur votre source, filtre de mise à l'échelle, et là où choisissez Langsos. C'est ça justement qui va permettre de lisser correctement votre texte. Donc ça, c'était vraiment la méthode la plus basique. Normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis pour le faire. Si jamais vous en avez ou vous avez un souci pour n'importe quoi, allez sur le Discord, on est bientôt plus de 3000 personnes sur le Discord, donc il y a forcément quelqu'un pour vous aider. On va donc attaquer la deuxième méthode pour afficher l'heure sur votre stream. Celle-là, je l'ai découverte vraiment récemment, mais je pense qu'elle peut plaire à certains, parce que ça permet de le faire de façon beaucoup plus originale. Et pour cette méthode, pas besoin de logiciel, vous cliquez juste sur le lien en description et vous arrivez ici. Là, vous faites Continue et vous avez tous les templates
pour afficher l'heure sur votre stream. Sachant que pour chaque, vous pouvez le personnaliser entièrement et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Je vais pas vous montrer les horloges basiques parce que dans ce cas-là, autant utiliser la première méthode avec SNAS. Moi, je vais me concentrer sur celle du dessous, les vraies horloges, parce que ça fait une façon vraiment originale d'afficher l'heure. Donc vous choisissez l'une d'entre elles, moi je vais prendre celle-ci, et là, vous devez choisir votre localisation. Moi, j'ai déjà mis la mienne. Vous choisissez la vôtre, attention, sinon vous n'aurez pas la bonne heure. En dessous, on va pouvoir personnaliser l'horloge, donc par exemple, si je modifie cette couleur, vous voyez qu'en bas à droite, ça modifie mon horloge. Alors moi, je vais laisser la mienne de base pour l'exemple, mais vous, n'hésitez pas à la personnaliser autant que vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur continue, et là, encore de la personnalisation, mais cette fois-ci, vous pouvez personnaliser les tics. Alors les tics, c'est les petits points que vous voyez sur l'horloge. Par exemple, les quarter tics, c'est les 4 juste ici. Donc pareil, vous pouvez complètement les modifier, que ce soit leur couleur, leur forme, leur taille. Donc vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi décider de les afficher ou non. Par exemple, de base, vous voyez que les minutes ne sont pas affichées. Si je coche la case, là, elles sont affichées et je peux les personnaliser autant que je veux. Une fois que vous avez passé 8 heures à personnaliser complètement votre horloge, vous pouvez cliquer sur Continue et là, vous allez passer 8 heures de plus parce qu'on peut personnaliser les aiguilles. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est exactement la même chose. Mais amusez-vous. Vous cliquez une dernière fois sur Continue et là, on a fini. Vous voyez pourquoi je vous disais que la première méthode est un petit peu plus simple, mais c'est vrai que ce qui est cool, c'est que là, on a quelque chose d'original et de complètement personnalisé. Comment faire pour l'afficher sur votre stream maintenant? Vous allez voir que c'est encore plus simple que tout à l'heure. Vous allez dans le texte en bas et vous allez chercher l'adresse HTTP et la copier. Alors, c'est pas toujours simple de voir où elle commence, où elle finit, mais prenez votre temps, c'est pas trop difficile. Pour un petit repère pour la fin, c'est juste avant le frame border. Attention, ne prenez pas les apostrophes. Vous copiez ça, vous allez dans OBS ou Streamlabs OBS, vous faites une source navigateur, vous collez juste ici, vous ne touchez à rien et vous faites OK. Et voilà, vous avez votre horloge personnalisée sur votre stream. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, ça aide énormément la chaîne pour le référencement. Moi, je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudi, dimanche à partir de 19h, ainsi que le vendredi à 9h. Et comme d'habitude, amusez-vous!